pépites. Bonjour tout le monde. Bah bonjour, hein, on n'est pas dans un mercredi détente ici. Hein. On va se calmer. Hein. Hein, mercredi détente, pas bonjour. Le reste, bonjour. Bon, aujourd'hui, on est à Safrania, une ville pleine d'épices, on va dire. Ouais, surtout colonisée par des terroristes, hein, on va pas se mentir. Ah, quoi ? Non, c'est trop tôt là, c'est trop tôt. Bon, alors, on va faire la reine. On va où ? T'es en premier ? Alors, programme d'aujourd'hui, on va faire le mini-arène de type combat ici, qui est en fait un dojo, tout simplement. Ouais. Pour récupérer un Pokémon gratuit. De toute façon, au fond, Hitler, il était pas si méchant. T'es sérieux ? Ah, quoi ? Bon, je sais pas du tout de quoi tu parles. Karateka Hideki. T'aurais pas un nom un peu japonais ? Moins cliché. Un peu moins cliché, s'il vous plaît. Putain, level 37 son kikli, je vais me faire défoncer. Grochet, je t'en prie, survie à la première attaque. Dans tes rêves. Pied voltige. Ah, mais c'est mort. C'est mort. Oh non ! Dur ! Ça fait mal, hein. Bon, bah, Léviator. Hein. Putain, mais vous êtes à la traîne, là, les deux. Je vais vous remplacer par un Archéodong. Ah, si t'en trouves un dans la région, GG, hein, genre. Sachant que c'est un Pokémon de la 4ème génération. En plus. Qu'il aurait rien du tout à foutre ici, en fait. Sachant qu'il y a que les Pokémon de la 1ère G, de la 2ème G, 3ème et 5ème. Ils ont sauté à la 4ème. Ouais, ils sont racistes. Non, t'es non, si ils ont mis. Oh, Tillion ! Non, mec, il avait point mec. Éclair Pardon. Mec, s'ils ont mis la 5ème G, il y a la 4ème G qui va avec normalement, hein, vu que les Pokédex nationales, tout ça. Normalement, oui. Je dis bien normalement. Parce que il y a une zone dans la région du Noir et Blanc où t'as tous les Pokémon de la 1ère G à la 4ème G. Ça s'appelle la forêt blanche. Ah ouais, mais je connais pas, moi j'avais eu la version noire. J'avais eu la ville morte dégueulasse où y'a rien. Dur. Mais y'avait rien dans cette ville en vrai, genre vraiment rien. Moi c'est genre la forêt blanche c'était cool, c'est plus tu avais des gens qui visitaient ton monde entre guillemets, plus la forêt blanche s'agrandissait. Et donc plus la forêt blanche s'agrandissait, plus y'avait des hautes herbes. Et donc plus il y avait plus de Pokémon. Et moi j'avais une putain de ville où il y avait littéralement rien. À part des PNJ. Tu veux Kikli ou tu veux Tignon? Je veux Kikli. Tu vas prendre Kikli, c'est ça? Non, je pense que je préfère Tignon. Non, en fait, je sais pas. Tu te souviens de mon Fantomidus ? Oui. Tu le vois ton Kikli ? Oui. Bah tu le vois plus. Yes ! À moi la couverture de type ! Oh, j'en ai rien à foutre. Avec Taignon, les 3 points élémentaires. Oui, effectivement, sauf que du coup, ce que j'ai vu et qui m'a fait choisir d'avis, puisqu'au début je voulais le prendre aussi. C'est que tout simplement, du coup, certes, il couvre plein de types, mais bah, en fait, toutes ses attaques sont beaucoup moins puissantes. Oui, mais tu verras. Il y a une strat assez particulière. Ouais, mais ta gueule. Bon, allez, après avoir fait l'arène, hein, donc du coup, on va faire jarter la Team Rocket d'ici. Hein. Genre, on va pas se mentir, ils sont un peu casse-couilles. Bah, t'es où ? Bah, devant le bâtiment, du coup. J'attends. Es-tu prêt ? Ouais, bah. Attends, moi je dois apprendre un truc à mon Pokémon. C'est quoi ? Surf. Parce que Nidoqueen, elle fait 0 dégâts. C'est vrai que ce serait pas con que je l'apprenne à mon Ligator aussi, ça d'ailleurs. Alors, je vais mettre dans l'ordre où je dois entraîner, hein. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Rien.
Genre, j'ai appris l'ultra insta à Colin. Alors, ce bâtiment, si je me rappelle bien, c'est un putain de labyrinthe. Non, mais moi, tu vois, ce qui me choque toujours chez la Team Rocket, c'est ça. Genre, les mecs, ils se sentent pas pissés, quoi. Y'a même pas un mec à l'accueil, quoi. Non, en fait, ils ont pris en otage un bâtiment. J'en ai rien à foutre. L'ascenseur, il marche pas. Ouais, je veux juste rentrer dedans, en fait, j'avais envie. Et à la fin de tout ça, on va avoir une Master Ball. Ah, la fameuse. On ne sait pas à quoi il va nous servir, puisqu'il n'y a pas de Pokémon légendaire à skip. Il a pas encore fini la ligue, parce qu'elle est hyper hard, apparemment. Oui, bah, j'imagine bien. Genre, déjà que la reine, mon gars, on se fait. Disons que apparemment il a réussi récemment à du coup passer la ligue. Mais après, il y a le rival qui te nique ta mère, littéralement. Ouais, sachant qu'à la fin de la ligue, après le rival, du coup, on va s'affronter en duel pour savoir qui sera le véritable maître de la ligue. Après avoir soigné le Pokémon. Bon, parce que faut pas déconner quand même. Moi, je veux bien être gentil, mais au bout d'un moment, merde. Hein. Bon, les objectifs de l'épisode, on passe tous les Pokémon level 40. Ça n'arrivera jamais. Oh, après, si ton pote a rushé le jeu comme un gros porc aussi, c'est-à-dire que ses Pokémon sont environ niveau 50. Il a rushé le jeu comme un gros porc et ses Pokémon sont level 60, je crois. Ouais, donc normal, genre qui galère. Parce que nous, on va entraîner nos Pokémon en hardcore, hein, genre comme entre chaque épisode. Je pense que pendant un mois, il va pas y avoir d'épisode. Ouais. Un moment, ouais. Ouais. Genre une ou deux semaines. Ouais. Un mois. Ou deux. Ou trois. Je vais l'entraîner tous beaucoup. Les jours. Tout l'été. Tous les jours. Tout. Pendant toute la journée. Tout le temps. J'ai cru qu'ils étaient niveau 100. Il faudra fixer une limite quand même. Oui, mais arrête d'éviter mon putain de gros givre, ce Noceraptor de merde là. Putain, il me fait mal avec son poison. Je savais même pas qu'ils apprenaient ça, les Noceraptor. J'ai toujours cru que c'était des merdes, moi. En vrai, ils sont forts, hein. Non, si j'avais su au début qu'un Noceraptor pouvait évoluer un Noceraptor dans cette version, j'aurais que tiré un Noceraptor dès le début. Ah ouais? Bah oui, de ouf, parce que Noceraptor, c'est tellement fort. Bah moi, j'adore Noceraptor, mec. Déjà, rien que son design. La première fois, j'ai eu un Noceraptor dans ma vie, c'était à 4ème G. J'avais capturé un Noceraptor par... Tu l'as déjà dit. Tu radotes, tu sais. Ah, je suis sénile, tu sais. Je suis vieux. Ça y est, mec. La vieillesse t'a rattrapé. Alors, ouais. Pour ceux qui savaient pas, il a 40 ans. Hein, quoi? Non, j'ai l'air d'avoir 18 ans, mais... J'ai 40 ans, après, vous savez... Ça y est, t'es adulte, là. Les asiatiques, tout ça... Ma grand-mère, elle paraît d'avoir 27 ans, mais en vrai, elle en a 80. Waouh. Et ça va peut-être te paraître bizarre, mais je me souviens même plus de la tête de tes parents. En même temps, ça doit faire 2-3 ans que t'es même plus venu à Draguignan. Ouais. Et la fois que t'étais venu, t'étais rentré pour des vacances. Et tu venais juste de commencer ta chaîne YouTube, on avait tourné une vidéo ensemble chez moi sur un jeu ouais. Plutôt bien, hein, genre qui était même très, très fun en coop. Oui, qui n'est jamais sorti. Parce que ta tablette, elle était pas ouf, filmée. Et ripée. Eh, c'était l'époque où je jouais à un jeu, là, tu sais, où je t'avais invité par téléphone. ouais, j'en sais. Ah là là, en plus ce jeu je vais vraiment le refaire en let's play sur ma chaîne. Mais en propre. Oui, en propre. Oh, je viens de recevoir un commentaire. Eh, lecture de commentaire en direct. Sur quelle vidéo? Oh, j'en sais rien, c'est juste mon application YouTube Studio qui m'informe d'un commentaire. Ah. Apparemment un commentaire de Pierre. Qui dit x200. Ouais. Donc attendez, faut que je voie le contexte là parce que je suis pas sûr.
Je pense que c'est soit la dernière vidéo Pokémon ou soit Broforce. Ah, c'est Broforce, oui, 10 x 200 en réponse à Florian Ebman qui dit plus 1 pouce bleu x 1000. Ah, 3000, hein, du coup. Hop, on lâche le petit cœur parce qu'on est sympa. Et hey, x 1000, hein, n'oublie pas, du coup, tu es obligé de. Non, je rigole. C'était au 5000, on avait dit. Le mec. En là, il dit quoi d'ailleurs? Je me souviens même plus. Ah oui, je renommais la chaîne. Que je renommais la chaîne. Sachant que, en fait, pour renommer la chaîne, faut qu'on sache comment faire en fait. Donc, du coup, c'est pas gagné. N'hésitez pas à donner la technique en commentaire. Parce que voilà, nous on veut bien, hein. Enfin, Fox il veut bien. Mais voilà, si on ne sait pas, ça va être compliqué. Mais tu vois, le fait que je sache pas la technique, ça, c'est une excuse aussi. Hein. C'est pour pas le faire. Ouais. Ah là là. Y avait pas un truc là que j'ai loupé ben, en passant trop vite, non? Alors. Moi j'entraîne mon Nidoqueen. Comment on ouvre les portes? Faut avoir une clé, une carte magnétique plutôt. Where it is? Parce que là on est venu ici pour rien, hein, y a rien d'autre. Non mais c'est pour au moins faire dresseur, hein, comme je t'ai dit, tous les dresseurs, chaque zone, tout ça, la règle. Mais non, mais si on les voyait pas sur notre écran, on devait pas les faire. Hein. Trop tard. Mais il m'emmerde ce type. Eh, hey, téléporteur, trop bien. Et je m'en souvenais plus. Ah mais mec, ça va être le pire endroit de ta vie. Pour moi, quand j'ai fait ça la première fois, j'étais gamin. C'est l'un des 4 frères Rocket, il me dit. C'est un 4 frères Rocket. Et tu t'appelles comment, Sbire? Sbire Jean, Valjean. Mais non, ils s'appellent Sbire tous. Et je rêve où je viens de faire une attaque de type sol sur un Smogo. Il y a peut-être pas. Non, mais enfin, ouais. Je viens de tenter une attaque de type sol sur un Smogo et ça n'a pas marché. Et genre, moi dans ma tête, ça allait marcher, tu vois. Ah non, mais il y a la technique lévitation, donc ça marchera pas. 100%. Ouais, je sais, mais je te dis, dans ma tête, pour moi, ça allait marcher. Mais non, non, ça marche pas. Bah oui, t'as rêvé. Et t'as rêvé, hein. Pff, ils sont nuls mes Pokémon, hein. C'est surtout qu'ils font chier ces connards d'en face, là, tous nous empoisonner. Non, il a fait destruction! Ah, le bâtard! Ça, c'est pas. Rappelle-toi, Henri. C'est Georges, tu sais qui. Son prénom c'est Georges et son nom de famille c'est tu sais qui. T'oublies pas Henri. Henri Potter. Et mes Pokémon sont des sacs à foutre. C'est pas gentil ça. Qui viennent de suffoquer. Ou plutôt souffrir du poison. Oui, mesdames et messieurs. Oui. Il est pas doué. Oui. Oui. Ça va être infernal, ces téléporteurs, je le sens. Tu sais, c'est quoi qui est infernal? Je ne sais pas. C'est toi. Ah oui, ça, je sais. Ah, j'ai 10 niveaux d'écart. Oh, c'est porte ouverte ici, génial. Oh, du fer, génial. Scientifique, bonjour. Oh, ça, je le donnais à mon Aquali direct, mon gars. J'ai pas compris. Le fer, je le donnais à Aquali. Ah, je sais ce que tu veux. Hop, 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 on ne bouge plus. Oh non, putain. Je suis allé en haut à droite, hein. Je sais pas si c'est par là qu'il faut aller, mais j'y suis allé. Parce qu'il y avait un vilain garçon. On verra, hein. De toute façon, moi je me souviens plus, hein, de ce qu'il fallait faire à cet endroit. Donc on va souvent être perdu dans la vidéo. Mais bravo l'expert. Et écoute, j'ai peut-être un mouvement certaines choses, mais pas tout. Tout ce que je sais, c'est qu'on va affronter notre rival ici. Et qu'est-ce qu'il fout dans un labo de la Team Rocket, notre rival?
Je sais foutrement rien. Voilà. Moi non plus, je sais pas. Ah oui, mais mais ils empoisonnent d'où mes Pokémon, ces pistes. Bon, quand même, déjà. Et deuxième chose, il y a quelqu'un qui donne un low class dans ce bâtiment. Pardon. Oui, un low class. Il te le donne. Bon, ça sert un peu à rien puisqu'on a déjà locké nos Pokémon. Et que ça sert à rien que je prenne deux Pokémon typo. Mais bon, il paraît qu'ils sont bons. Bah c'est un Pokémon type glace surtout. J'ai déjà une attaque type glace avec les Yator. Ouais mais gros givre. Ouais mais ta gueule. Tu crois que j'ai une place pour un type glace dans mon équipe? On ne sait jamais. L'attaque de Voltaire baisse, super. Tant que sa vitesse baisse pas, ça va. Tu vas voir que je vais mourir du poison. Ouais, level 40. Alors, c'est la première fois de ma vie que je vais ouvrir mon sac pour voir si j'ai un antidote. C'est vrai que c'était réveil, hyper potion, potion, élixir, machin. Antidote. Putain, j'en ai 11. Waouh. Hop. Utilisé sur les vatans. Je crois que t'en avais acheté masse pour la forêt de Jade, mais ils t'ont jamais servi. Oui, je crois aussi. Hyper potion, guérissant d'un PV, Léviator. Et super potion sur Voltaire. Parfait. On prend l'escalier. Attends, on n'a pas encore visité toute la map. Suis-moi, on a des téléporteurs à prendre. Mais attends, parce qu'il y a un truc là-haut, là. Qu'est-ce que tu veux? Mais il y a un scientifique là-haut. Ah, c'est un dresseur. Bon, j'ai visité un téléporteur. Scientifique Patrick. Oh! C'est quoi? Oh! Ah, il a un électrode. Y'a quoi? Eh ben, quand tu seras sorti de ton truc, tu verras où je suis. Oui, je sais que t'es de l'autre côté, mais y'a quoi? Y'a rien. Genre, y'a un mec qui dit la sylphe a fait faillite. Ok, bah très bien, je m'en bats les couilles, frère. Maintenant, je vais prendre le deuxième téléporteur qui est tout en bas. Oh merde, il fait chier lui. Et ça me ramène au tout début de l'étage. C'est trop bien. Y'a quoi à visiter là-bas? Une carte magnétique pour ouvrir cette putain de porte, sérieusement. Ok. Si je descendais, voilà. Non, faut monter, putain, je suis débile, ma parole. Ok. On va faire les choses petit à petit. Alors, du coup, t'as rien trouvé de bien? Bah, alors, on va monter les escaliers. Ok. Et on verra où est-ce que ça nous mène. Ah, peut-être, je me rappelle cet endroit. Toi. Bonjour. Ah, encore un 4 frères. Voilà, peut-être qu'il faut tout battre les 4 frères pour avoir la carte magnétique. Il faut les tous les trouver. Un hypnomade est envoyé par Team Rocket Sbire. Bonjour Sbire, ça va? En fait, c'est des orphelins rejetés par leurs parents. Pourquoi tu parles de toi comme ça? Parce que c'est tellement triste. Et quoi? De quoi? Mais mec, ce qui vient de se passer était étrange. T'as vu quoi? Non mais, enfin, le début est pas étrange, la fin est étrange. J'ai fait Crogivre, ça a gelé Hypnomade. Ce qui est étrange, c'est qu'il s'est dégelé instant. Oui, en fait, le gel, c'est le truc le plus instable du jeu. En gros, le gel est le seul truc qui peut s'enlever directement. Et bah super. Genre ça reste même pas un tour, quoi.
Il peut durer 0 tours comme 15 tours d'affilée. What the fuck, man? C'est à la fois fort et nul. D'ailleurs, on va lancer un débat. Non, parce que ça fait longtemps qu'on a pas fait de débat. Le dernier débat, c'était l'épisode 4, je crois. Ouais. Ouais, ça fait hyper longtemps. Donc, que penses-tu des SJW? Si tu sais, si tu connais, vu que t'es sur Twitter, tout ça, tout ça. Okay. C'est quoi? Vas-y, dis. C'est des gens qui interprètent mal, mais genre très très mal, tout ce que les gens, enfin tout ce que disent les personnalités publiques. Ah oui, genre, ouais. Jour, ah, oui, jour, j'en ai déjà vu. Il avait fait une vanne, de cul, hein, comme d'habitude. Qui ça? Et Fred, enfin un joueur du grenier. Oui, ouais. Non, mais c'est juste que j'avais pas entendu de qui il parlait en fait. Ouais, donc, et du coup. Donc du coup, bah tu vois, genre, il y a des petits cafrouilles, hein, parce que je peux même pas appeler ça des JW, tellement qu'ils sont cons, qui arrivent, ils disent, ouais, tu fais l'apologie du viol, et tout. Oui, bah toujours plus. Toujours plus, ouais, j'avoue, t'es en mode, mais non. Qu'est-ce que tu me casses les couilles? Genre, le mec fait juste une petite vanne, hein, comme ça, genre, truc drôle, quoi. Genre, dans toutes ses vidéos, il fait au moins une vanne de cul. Ouais, bah il faut. Je vois pas pourquoi. Bah parce que ça le fait chier tout simplement. Voilà. Je suis con. C'est pas débile quoi. Genre, tout ça pour dire ouais c'est pas bien tout ça. Oh bah écoute. Je trouve ça tellement stupide. Moi j'appelle ça un débile, hein. Attends, le Magnetti, il est pas mort là? Oh non, purée, il m'a paralysé, c'est vrai, bon du coup... Toi aussi? Allez, la paralysie frappe, j'ai envie de tout enculer. Et je suis paralysé... Ah, et l'autre, il me fait des détritus, là, balance ta mère d'ailleurs... Putain, mais c'est la première fois que je vais utiliser autant d'objets dans ma vie, quoi. Alors, sac. Antipara, utilisé. Étincelle. Rappel max, eau fraîche. Ce n'est boum. Pourquoi j'ai autant d'eau fraîche, moi? Parfait, allez hop. Je prends le téléporteur du coup qui est ici. Mais attends! On est concentré aujourd'hui, putain, on parle pas. Hein. Ah ouais, on ne parle pas beaucoup là, parce que là, c'est la zone la plus reloue de tous les temps. On a essayé de lancer un débat, mais bon, le débat il était court parce que bon, les mecs parlaient d'un débat. Ouais, il n'y a pas besoin d'un débat pour ça. Hein. Ouais, pour des mecs qui ont moins de cuits, hein, j'aime ça. Mec, au bout d'un moment, si t'as pas d'humour, bah. Voilà quoi. D'ailleurs, ah oui. Oui. Non, rien.
Non, j'avais oublié ce que j'avais dit. Ouais, je suis j'ai Alzheimer, ouais, je sais. Eh ben, je t'ai dit, t'es vieux. Ah, non mais... Pas ce point-là non plus. Antipara. D'ailleurs, j'en ai plus, d'ailleurs. Faudrait que je fasse gaffe. Lève-t'en, va prendre ma chouille. Je te fous de ma gueule, lève-t'en. Ma chouille, c'est ultra fort. Alors, qu'est-ce qu'on va enlever? Oh! Lui, c'est un frère. Ah non. Niveau 33. Easy. Ah, j'hésite, hein. Qu'est-ce qui se passe? Alors, bah, si j'enlevais ça... Non, je te dis pas ce que j'enlève, hein, comme attaque, parce qu'après, tu vas connaître toute ma team, là. Hein? Est-ce que toi, tu me l'as dit quand t'as... Hein, quand t'as appris au croupi à ton machin, hein? Non, tu me l'as pas dit. J'ai trouvé la carte magnétique. Ok, bah attends. Je re... Parce que moi, je peux plus venir. Je suis obligé de revenir, voilà, comme ça. Il est juste là. Il y a quoi d'autre là-bas? Ça, j'imagine bien l'objet bien caché au fond là. Ah non. Non, c'est un dresseur. Ah bah, il y avait un autre moyen d'y venir du coup. Ouais, mais. En faisant bouger le cul du dresseur. T'es où? J'y retourne parce qu'il y avait une salle. Ah bah, du coup, on va pouvoir récupérer ce qu'il y a là. Putain, mais comment on ouvre cette porte? Hein? Là, c'était un. Oh, c'est Dynamo point! Ou Ultima point, je sais pas. Attends, on va voir. Mitra point. Et alors, c'est génial. Alors, lanceur se concentre avant d'attaquer. Ah ouais, non, c'est nul. C'est archi nul. Tellement nul que ça en devient criminel. Putain, mais comment on ouvre les portes? Je comprends pas. Faut cliquer sur A et attendre. Ah ouais. Une hyper potion. Bon, le TP là, il mène à où? Oh, le dresseur! Quoi? Pardon, le... Rival. Le rival. Le dresseur, n'importe quoi. Allez, c'est parti, on va l'enculer! Ou pas. Ouais. Allez, on se motive. C'est-à-dire qu'on est bientôt à la fin. Ah, ça commence bien, là, il a son torte en cul. Ah, il m'a envoyé directement son gros carnage, très bien. Je vais utiliser ma technique. Oui, ta technique qui est... Placer 3 reflets. Placer toxique. Et augmenter ma défense, vu que j'esquive toutes les attaques. Non, il m'a gelé! Trop purée. J'espère pour toi que t'auras de la chance. Ouais, j'espère aussi. Non, il touche! Mais je reste gelé, mais laissez-moi tranquille! J'ai pas de chance. J'ai pas de chance. J'ai tellement pas de chance. Mais il est trop rapide sur la Kazam. Mais non, il m'a tué. À la Kazam, c'est vraiment très 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 rapide. Alors, je peux annoncer sans me tromper que je suis mort en fait. Dur. Moi, j'ai toujours une chance. Mais l'autre, vas-y, qu'il a des Bécitrus et tout, quoi. Oh, il a Damoclès. Allez, s'il te plaît, tape-toi. Putain, il utilise deux fois Damoclès. C'est un connard. Mais pourquoi il attaque de suite? Ah, mais oui, je suis trop con.
De quoi? Non, rien, je suis juste débile, du coup j'ai fait deux fois la même erreur en pensant que c'était un bug. Allez, Gum Gum Tang, carry la game. Eh mais il a un pyroli lui. Yes, je l'ai paralysé. Non, attaque pas. Oh non, il utilise psycho, ça fait trop mal ça. Mais ils ont tous des Bécitrus ces Pokémon ou quoi? Oui. Mais c'est quoi ce bordel? Mec, t'imagines, on se balade tous avec des Bécitrus? Et mon Léviator qui est toujours gelé, hein. Yeah, j'ai one shot son Alakazam. Ah, je pensais pas qu'il allait faire ça. Oh non, il a un Aquali, il est sérieux. Putain. Mais arrête d'être gelé! Mais j'ai eu la pire chance du monde là. Et voilà, t'es plus gelé maintenant quoi. Et moi mais mec, mais bordel quoi. T'es plus gelé quand la guerre est finie quoi. Je augmente ma défense. Dites-moi que j'attaque en premier, ça m'étonnerait, mais bon. Ouais voilà, cruel, allez, je suis mort. Salut. Bon, il reste plus que mon roux carnage, hein. Là, il peut carry, il peut carry. Et il lui reste 3 Pokémon. Il peut carry, il peut carry. Moi je prends la défense de mon Russian Tank. J'ai que Cruel qui fait des dégâts avec. Dur. Et tu peux gagner. Genre, c'est pas impossible. Ah ça fait mal hein, Cruel. Ah là là, Kazam il a pas aimé. Après à la Kazam il a 0 de défense. Hein, genre. Bon, par contre, ça va être un peu moins efficace sur Roucarnage. Bon, j'ai fait un coup critique, ça va. Non, il a fait. Oh putain, je l'évite de justesse. Oh, son Roucarnage connaît vent violent. What the fuck? Roucarnage qui a carry la game. Ah non, il a GDS en celui. Moi, c'est mon Russian Tank qui carry la game. Ah, et moi, j'ai plus aucun Pokémon là. Bah, enfin, sauf Roucarnage quoi. Et c'est qui a GDS en dessous en passe? Noix de coco. Oh, y'a un noix de coco! Oh, fais chier. Ah, Pigeon a tenté d'augmenter de niveau, mais ne peut pas, je sais pas quoi. Enfin, y'a eu un message trop long et trop compliqué à lire. Et là, les amis, c'est le drame. On est jeudi, je suis en train de faire le montage et je me rends compte que bah, les 30 dernières minutes de record ont été corrompues. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, du coup, le combat contre Giovanni et l'outro, quoi, sont du coup indisponibles. Je ne peux vraiment rien faire, je peux pas les récupérer. J'ai cherché vraiment partout pour voir si c'était pas glissé dans un dossier au cas où, tu vois. Mais bon, bah, je les ai pas trouvés. Donc du coup, la partie sel de l'épisode qu'on vous avait promis hier sur Broforce ne sera pas là. En tout cas, j'ai pas grand chose à dire sur ce combat. Hein. C'était un combat qui s'était plutôt passé du coup un peu mal au début pour moi, mais que j'ai quand même réussi à bien faire la deuxième fois. Et puis voilà, il nous a donné la Master Ball et on est parti dire au revoir devant le centre Pokémon. Donc du coup, bah, ça me fait chier un peu quand même d'avoir perdu cet épisode, enfin ce bout plutôt, mais on peut pas faire autrement, donc du coup voilà, c'était juste pour vous en informer. L'épisode devait être un petit peu plus long, là il aurait dû y avoir 10 minutes en plus parce que j'aurais quand même condensé un peu, mais du coup bah voilà, c'est pas possible, et puis j'espère que ça ne vous déçoit pas trop, j'essaierai de faire en sorte que ça n'arrive pas la prochaine fois même si c'est pas vraiment de ma faute.
Et puis voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à partager à vos amis. Et moi je vous dis salut à tous.